Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Bonsoir à tous. La nuit est claire et dégagée. Les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Direction la Belgique pour ce rendez-vous de Pro League, le Standard de Liège contre Charleroi. Et ça peut être dangereux. Position de hors-jeu, le drapeau se lève. C'est ce qui se passe si tu restes statique, attentiste. Il faut plus de vie, plus d'électricité, plus de mouvement. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Allez, il faut faire quelque chose là. Oh oui, le but! Stupéfaction! Surprise! Voilà une ouverture du score qui vient calmer tout un stade. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Un ballon récupéré. Et ça joue sur Justin Kluivert. Vers ses partenaires dans la surface. Eh oui, la défense est bien placée et donc ce centre n'aboutit à rien. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Eh bien fait, quelle ouverture! Allez, il faut aller fixer maintenant. Oh oui, c'est magnifique! Oh, touché, quel beau but! Tout en technique! La souplesse de la cheville qui arrête sa course. Et tic, une vaseline par-dessus de la tête et but. Ah, dommage, ballon perdu. La projection dans le camp de l'adversaire. À l'occasion, peut-être ici. Long ballon aérien, la défense se soulage. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Et l'arbitre revient à la faute et donne le carton jaune. Et le bon centre là peut-être. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Oh oui, le but! Son troisième pour le triplé! C'est merveilleux et c'est tellement mérité! Quel réalisme! Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. On a vu un haut degré de maestrie collective. C'est l'inestimable valeur de la confiance. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Un face-à-face à négocier. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le contre, c'est aussi très beau à regarder.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Sowa. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Ballon facile pour le gardien. Voilà donc la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre et l'équipe qui reçoit est menée au score. C'est très compliqué pour cette équipe qui semble avoir perdu tout espoir. Le mieux, c'est d'oublier le score et de recommencer un autre match en deuxième mi-temps. Il faut revenir au plaisir de traiter le ballon avec délicatesse, de construire des actions collectives. Et donc, début de cette première période. Oh oui, le but ! Stupéfaction ! Surprise ! Voilà une ouverture du score qui vient calmer. Eh bien fait, quelle ouverture ! L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Oui, très bon timing sur cette passe. Allez, et encore un nouveau but. Quelle punition! La situation était très intéressante à 2 contre 1. Regardez, on fixe et après, quand tu le gères bien, le gardien il ne peut pas faire grand-chose à part rester spectateur. Maintenant, il faut se demander où était passée la défense. Un match très facile. Le score est maintenant de 5 buts à 0. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et il n'arrive pas à conserver ce ballon. Nicolas Zalewski. Sous pression. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Et l'option de la contre-attaque est possible. Le ballon change de camp. Ah, il faut tirer là. Eh oui, le bon réflexe. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Voilà, le remplacement intervient. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre.
Le ballon donné dans le dos. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé ensuite. Ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. À quelle démonstration. Le score est maintenant de 6 buts à 0. Ah, il élimine son adversaire. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Ah oui, c'est bien joué. Quel but. Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et le petit ballon posé avec tendresse dans les filets pour tromper le gardien. On a l'impression qu'il a endormi, qu'il a dompté le ballon. Mais ce ballon qui leur échappe. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Vers ses partenaires dans la surface. Bombasso avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux. C'est la perfection, c'est le mariage de l'efficacité et de l'esthétique. Quelle maestrie! Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Et il remporte son duel, bien défendu. Des solutions en attaque là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Et c'est encore dangereux. Oh, la bonne parade. Et le changement va donc avoir lieu. Le corner. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. C'est terminé, l'arbitre met fin à cette rencontre et donc victoire à l'extérieur. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Est-ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui? C'est absolument. Eh bien fait, quelle ouverture! L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Attention, dans la surface.